Shalom et bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Moi, c'est Rachel. Que Dieu vous garde, vous protège, vous bénisse, vous élève et vous donne la victoire sur tous vos ennemis au nom de Jésus. Le psaume 35 est un psaume qui a le pouvoir d'attirer le châtiment et la ruine de Dieu contre les ennemis et les méchants qui en veulent à votre vie et à votre foyer. Ce psaume est tellement puissant qu'il peut vous apporter la protection contre les sortilèges des ennemis et contre la sorcellerie. Le psaume 91 est un psaume qui a le pouvoir de vous donner la protection, la guérison, la liberté et de vous délivrer de tout malheur dans votre vie. Le psaume 18 est un psaume qui a le pouvoir de vous apporter la délivrance lorsque vous vous trouvez dans des difficultés et lorsque des ennemis se lèvent contre votre vie. Ce sont vos rassures que vous ne devez pas craindre devant les ennemis et les méchants qui en veulent à votre bonheur, à votre destinée, à votre foyer et à votre famille. Aujourd'hui, nous allons prier en nous inspirant de ce puissant psaume. Et après cette prière, soyez rassurés que Dieu vous délivrera de tout pouvoir de la mort et des pouvoirs des forces de ténèbres, au nom de Jésus. Après cette prière, Dieu vous protégera avec puissance et vous ne tremblerez plus devant personne, au nom de Jésus. Après cette prière, le Seigneur vous cachera de tous ceux qui vous veulent du mal. Il les anéantira et il vous bénira gravement, au nom de Jésus. Je veux que vous priez ce psaume avec moi, soit en répétant les mots, ou saute dans votre tête, afin que vous puissiez jouir de toutes les bénédictions contenues dans cette puissante prière. N'hésitez surtout pas à laisser vos requêtes de prière dans les commentaires, car mon équipe de prière et moi prierons et présenterons toutes les requêtes à Dieu pour sa gloire et pour que votre joie soit parfaite. J'aimerais que vous appuyiez sur le pouce j'aime au début. Appuyer sur le pouce j'aime est gratuit et facile pour vous. Et cela permettra à YouTube de savoir que cette prière vous a édifié. Et il la proposera à d'autres personnes pour plus d'édification. Et si vous n'êtes pas encore abonné, merci de vous abonner pour ne plus rater nos prochaines puissantes prières inspirées. Préparez maintenant votre cœur et disposez votre esprit. Car après l'étude de ce puissant psaume, nous ferons une puissante prière inspirée de ce psaume que je vous invite à faire avec moi jusqu'à la fin. C'est vraiment important que vous fassiez cette prière jusqu'à la fin pour pouvoir voir la main de Dieu agir puissamment en votre faveur pour vous délivrer, pour vous accorder ce que votre cœur désire, vous protéger et pour vous donner la victoire sur tous vos ennemis au nom de Jésus. Amen. Psaume 91. Celui qui se met à l'abri près du Dieu très haut se repose à l'ombre du Tout-Puissant. Il dit au Seigneur, tu es mon abri, tu me protèges avec puissance. Tu es mon Dieu, j'ai confiance en toi. Oui, c'est Dieu qui te délivre des pièges du chasseur. Il te guérit de la peste qui tue. Il te couvre de ses ailes et tu te réfugies près de lui. Comme un poussin sous les ailes de sa main, oui, sa fidélité te protège comme un bouclier. Alors tu n'auras peur de rien, ni des dangers de la nuit, ni des flèches lancées en plein jour, ni de la peste qui avance dans l'obscurité, ni du malheur qui frappe en pleine lumière. Même si 1000 personnes tombent près de toi, et si 10 000 meurent à côté de toi, rien ne t'arrivera. Ouvre seulement les yeux, et tu verras comment sont punis les gens mauvais. Oui, Seigneur, tu es pour moi un protecteur. Si tu as choisi le Dieu très haut comme abri, aucun mal ne peut te toucher. Aucun malheur ne peut approcher de ta maison. Le Seigneur donnera l'ordre à ses anges de te protéger partout où tu iras. Ils te porteront dans leurs bras pour que tes pieds ne heurtent pas les pierres. Tu marcheras sans danger sur le lion et la vipère. Tu écraseras le tigre et les serpents. Dieu dit, puisqu'il s'attache à moi, je vais le libérer.
Je vais le protéger car il connaît mon nom. Si tu fais appel à Dieu, il te répondra. Il sera avec toi dans le malheur. Il veut te délivrer et il veut t'honorer. Il te donnera une vie longue et belle. Et tu trouveras qu'il est ton sauveur. Amen. Psaume 35. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Seigneur, accuse ceux qui m'accusent. Attaque ceux qui m'attaquent. Prends tes boucliers, le petit et le grand. Lève-toi et viens à mon aide. Avec la lance et la hache de guerre, frappe ceux qui me poursuivent. Dis à mon cœur, c'est moi qui te sauve. Ceux qui veulent me tuer, qu'ils soient couverts de honte, qu'ils perdent leur honneur. Ceux qui ont l'intention de me faire du mal, qu'ils reculent pleins de honte. Que l'ange du Seigneur les chasse et qu'ils soient comme la paille emportée par le vent. Que l'ange du Seigneur les poursuive et qu'ils glissent sur le chemin sombre. Sans raison, ils m'ont tendu un piège au-dessus d'un trou. Sans raison, ils l'ont creusé pour moi. Qu'un immense malheur tombe sur eux tout à coup. Que le piège caché qu'ils ont tendu les attrape. Qu'ils soient détruits par ce malheur immense. Alors je danserai de joie grâce au Seigneur. Je me réjouirai parce qu'il m'a sauvé. De tout mon cœur, je dirai, Seigneur, qui est comme toi? Tu délivres le malheureux de ceux qui sont plus forts que lui. Le malheureux et le pauvre, tu les délivres de ceux qui les punissent. De faux témoins se présentent. Ils m'interrogent sur des choses que j'ignore. Ils me rendent le mal. Tout le monde m'abandonne. Quand ils étaient malades, moi je mettais un habit de deuil. Je m'abaissais en jeûnant et je priais sans cesse. J'agissais comme pour un ami, pour un frère. J'étais sombre et en deuil, comme si j'avais perdu ma mère. Mais eux se mettent à rire quand je perds les ténèbres. Et ils se rassemblent contre moi, des étrangers, des gens que je ne connais pas, crient sans cesse contre moi. Sans cesse, ces menteurs se moquent de moi et me montrent leurs dents menaçantes. Seigneur, tu vas regarder cela pendant combien de temps? Délivre-moi de ces gens mauvais. Arrache-moi aux griffes de ces lions. Je te dirai merci dans la grande assemblée. Au milieu d'une grande foule, je chanterai ta louange. Ceux qui m'en veulent injustement, qu'ils ne se moquent pas de moi. Ceux qui me détestent sans raison, qu'ils arrêtent de se faire des clins d'œil. Non! Ils ne parlent pas de paix, mais ils inventent des mensonges contre les gens tranquilles du pays. Contre moi, ils se mettent à crier avec force. Far, far, nous l'avons vu de nos yeux. C'est plutôt toi, Seigneur, qui as vu. Ne gâte pas le silence, ne reste pas loin de moi. Mon Dieu, mon Seigneur, réveille-toi. Lève-toi pour me faire justice, pour prendre ma défense. Seigneur, mon Dieu, toi qui es juste, fais-moi justice. Que ces gens-là ne soient pas fous de joie à cause de moi. Il ne faut pas qu'ils disent, enfin voilà ce que nous voulions, nous l'avons avalé. Ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils soient tous pleins de honte et perdent leur honneur. Ceux qui se croyaient plus forts que moi, qu'ils soient couverts de honte et d'insultes. Mais ceux qui voulaient pour moi la justice, qu'ils poussent des cris de joie, qu'ils disent toujours, « Le Seigneur est grand, il veut le bonheur de son serviteur. » Et moi, je vous dirai que tu es fidèle. Tous les jours, je chanterai ta louange. Amen.
Lecture du psaume 18. Je lis au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je t'aime, Seigneur, tu es ma force. Le Seigneur est mon solide rocher. Il me protège avec puissance et me rend libre. Mon Dieu est le rocher où je m'abrite. Il est mon bouclier, mon puissant défenseur et mon sauveur. Louange, Seigneur. Je fais appel la nuit et il me sauve de mes ennemis. La mort m'avait déjà attaché. Elle me faisait peur comme un fleuve en colère. La mort m'avait entouré de ses chaînes. Ses pièges étaient tendus sous mes pieds. Dans mon malheur, j'ai fait appel au Seigneur. J'ai crié vers mon Dieu. De son temple, il a entendu ma voix. Mon cri est arrivé à ses oreilles. Alors la terre s'est mise à bouger. Les bases des montagnes ont été secouées. Elles ont tremblé devant la colère de Dieu. Une fumée s'est élevée de ses narines. Un feu terrible est sorti de sa bouche avec des charbons brûlants. Le Seigneur a déroulé le ciel comme un tapis. Et il est descendu, un nuage sombre sous ses pieds. Le Seigneur s'est envolé, porté par un chérubin. Il planait dans les airs du vent. Il s'est caché au cœur de la nuit, entouré de nuages énormes, sombres comme l'eau profonde. Une lumière éclatante le précédait. Éclairs de feu et grêle jaillissaient de ses épais nuages. Au ciel, le Seigneur a fait éclater son tonnerre. Le Dieu très haut a fait entendre sa voix. Éclairs de feu et grêle jaillissaient. Le Seigneur lançait ses flèches. Ses ennemis partaient de tous côtés. Il jetait ses éclairs et tous s'enfuyaient. Seigneur, devant tes menaces, devant la tempête de ta colère, le fond de la mer est apparu. Alors les fondations du monde sont devenues visibles. D'en haut, le Seigneur a tendu la mer pour me saisir. Il m'a retiré de l'eau menaçante. Il m'a délivré de mon puissant ennemi, de ses adversaires trop forts pour moi. Ils avaient profité de mon malheur pour m'attaquer. Mais le Seigneur est venu à mon aide. Il m'a sorti du danger pour me libérer. Il m'a sauvé parce qu'il m'aime. J'ai obéi au Seigneur, il m'a récompensé. J'ai fait le bien, il a été généreux envers moi. J'ai suivi le chemin du Seigneur. Je n'ai pas fait le mal loin de mon Dieu. Cette décision était toute devant moi. Je n'ai pas refusé ce qu'il voulait. J'ai été sans reproche devant lui. J'ai évité de faire le mal. J'ai obéi au Seigneur. Il a vu le bien que j'avais fait. Il m'a récompensé. Avec celui qui est fidèle, tu te montres fidèle. Avec celui qui est sans reproche, tu te montres sans reproche. Avec celui qui est sincère, tu te montres sincère. Mais tu te montres habile avec celui qui est faux. C'est toi qui sauves le peuple méprisé, mais tu fais baisser les yeux aux orgueilleux. Seigneur, c'est toi qui éclaires ma vie. Mon Dieu, tu es la lumière dans ma vie. Avec toi, je peux attaquer mes ennemis. Avec mon Dieu, je peux franchir le mur de la ville. Dieu est un guide parfait et sa parole est sûre. Le Seigneur protège comme un bouclier ceux qui s'abritent en lui. Qui donc est Dieu? C'est le Seigneur. Qui est notre solide rocher? C'est notre Dieu. Ce Dieu me remplit de force. Il me montre le bon chemin. Il me fait courir aussi vite que les gazelles. Il me fait tenir debout sur les collines. Il m'entraîne pour le combat. Il m'aide à tendre l'arc de bronze. Avec ton bouclier, tu me donnes la victoire. Ta main puissante me soutient. Ta bonté me grandit. Avec ton aide,
Je cours plus vite et mes chevilles restent solides. Je poursuis mes ennemis, je les rattrape. Je ne reviens pas avant de les avoir tués. Je les détruis. Ils ne peuvent plus se relever. Ils tombent par terre. Les voilà sous mes pieds. Tu me remplis de force pour le combat. Ceux qui m'attaquent, tu les fais mettre à genoux devant moi. Avec ton aide, je pose le pied sur mes ennemis. Et mes adversaires, je les détruis. Ils crient, mais il n'y a personne pour les sauver. Ils appellent le Seigneur, mais il ne répond pas. Je les écrase. Ils sont comme la poussière emportée par le vent. Je les balaie comme les ordures des rues. Le peuple se lève contre moi, mais tu me mets à l'abri. Tu me places à la tête des autres peuples. Des gens que je ne connais pas deviennent mes serviteurs. Dès que je parle, ils m'obéissent. Des étrangers me font des compliments. Ils sont découragés. Ils sortent de leur abri en tremblant. Le Seigneur est vivant. Gloire à mon solide rocher. Gloire à Dieu qui m'a sauvé. C'est Dieu qui punit mes ennemis, qui met les peuples sous mon pouvoir. Tu me libères de mes ennemis. Tu me donnes la victoire sur ceux qui m'attaquent. Tu me délivres des gens violents. C'est pourquoi, Seigneur, je te dis merci parmi les peuples et je chante ton nom. Le Seigneur donne de grandes victoires à son roi. Il montre son amour à celui qu'il a choisi, à David et aux enfants de ses enfants pour toujours. Amen. Seigneur Dieu, Créateur du ciel et de la terre, nous nous réunissons ici avec foi et humilité, reconnaissant ta puissance et ton amour infini. Père, nous savons que le monde est rempli de défis, de pièges sataniques et de maux qui nous menacent. Aujourd'hui, nous nous tournons vers toi, notre rocher et notre abri, pour demander ta protection et ta délivrance au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, nous renonçons à toute influence satanique qui pourrait chercher à nous nuire dans le nom de Jésus. Nous nous revêtons de l'armure de Dieu, telle que décrite dans ta parole, pour nous protéger contre les ruses de l'ennemi au nom de Jésus, pour nous protéger contre les sorts, les enchantements, la sorcellerie, les mauvaises pensées des méchants dans le nom de Jésus. Nous mettons le casque du salut, le bouclier de la foi, la ceinture de la vérité, la cuirasse de la justice, et nous nous chaussons les chaussures de l'évangile de la paix dans le nom de Jésus. Papa, que ces protections nous entourent et nous préservent de tout mal dans le nom de Jésus. Que ton rayon de feu nous entoure, repoussant toutes les œuvres de la sorcellerie et des ténèbres assignées contre notre vie dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te prions de nous couvrir de ton précieux sang, qui est notre bouclier, contre tout mal et contre toute adversité dans le nom de Jésus. Que ton Esprit Saint habite en nous, nous guidant, nous fortifiant et nous gardant loin de toute tentation dans le nom de Jésus. Seigneur, permets à tes anges de veiller sur nous jour et nuit, nous entourant de ta présence protectrice dans le nom de Jésus. Que tes anges nous apportent ta protection céleste constante et que leur présence apporte la paix à nos cœurs et dissipe toutes nos craintes dans le nom de Jésus. Seigneur, nous te demandons également de préserver nos corps, nos esprits et nos âmes de toute maladie physique, mentale et spirituelle dans le nom de Jésus. Que toute maladie qui a un nom dans la vie de la personne qui m'écoute en ce moment soit guérie par ton sang dans le nom de Jésus. Père, dans le nom de Jésus, que ton pouvoir de guérison soit manifesté dans la vie de chaque personne qui m'écoute maintenant, ainsi que dans leur famille et dans leur foyer dans le nom de Jésus-Christ. Seigneur, nous te prions pour nos familles, nos amis et tous ceux qui nous sont chers. Protège-les, guéris-les,
et garde-les en sécurité dans le nom de Jésus. Père, je prie que ta lumière brille dans nos vies. Seigneur, que ton règne s'établisse dans nos cœurs. Nous plaçons notre confiance en toi, sachant que rien n'est impossible pour toi dans le nom de Jésus. Je prie dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que n'importe qui m'écoute en ce moment, à cause de cette personne, protège sa famille dans le nom de Jésus. Bénis sa famille dans le nom de Jésus. Restaure la vie de cette personne dans le nom de Jésus. Que les plans de l'ennemi contre cette personne et contre sa famille soient nuls et sans effet maintenant, par la puissance d'en haut dans le nom de Jésus. Seigneur, je prie que tu fasses de la personne qui m'écoute en ce moment un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes, et que cette personne devienne redoutable dans le camp des ennemis dans le nom de Jésus. Que n'importe quel méchant qui verra désormais la personne qui écoute ma voix, que ce méchant recule, glisse, tombe, meurt et libère sa vie, libère ses finances, libère son progrès, libère sa destinée dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Enfin, Père, nous te remercions pour ta bonté et ta fidélité inébranlable. Nous nous abandonnons entièrement à ta volonté, sachant que tu es capable de faire infiniment plus que tout ce que nous pourrions demander ou penser. Que ta gloire brille dans nos vies et que ton règne vienne sur la terre comme au ciel dans nos vies, dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons ainsi prié. Amen. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre prière inspirée. Si tu as été béni par cette prière, je t'invite à la partager avec tes proches pour leur permettre d'être également bénis. Quant à moi, je te dis à bientôt pour une prochaine prière. Shalom.